Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages hier. Voilà, pour le décès de mon ami. Merci à vous. Merci à tous. Et famille, je vois que nous, les Guinéens, où il y a le sérieux, on n'aime pas. L'avenir de la Guinée, là, où nous devons tous dire quelque chose là. La Guinée a dit à l'ama ara dera so denere ara aveni na denere ADDD. Je vois encore, on a tous critiqué Yamasega ici. Sa sortie, qu'elle avait raison, mais elle a abusé. Mais je vois encore des Guinéens, parce que les gens n'ont rien à faire. Vie privée des gens, c'est ce qui les concerne. La vie privée des gens. Il y a d'autres qui sortent parce qu'ils n'ont pas de sujet, ils ne savent rien développer. Au lieu de vous focaliser sur l'avenir de ce pays aujourd'hui, ce pays qui est complètement à terre, notre économie, les jeunes n'ont pas d'emploi, l'insécurité dans le pays, Kono Koyama, eux, ils vont trouver un terrain d'entente. Au lieu de parler de ce qui est bon, non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça, Koyama. Ce sont les bonbons, genre dessin pénis. Je vois des gens encore en train de mettre ça. Ça, ce sont des bonbons. Ça se vend partout dans le monde. Et je vois encore des TikTokers ou quoi, quoi. Et Yama, elle était en train de faire manger quoi, quoi. La Guinéka. Non, Walumobe go. Walumobe. Autant na nyene na na bafé. On a bandi Guinéa, bandi Raméa, n'a rien à baffer. On m'a exposé ma dé. On doit ma futilité. Beni Mouradi Borouma Fala, ADDD, mais rien à vie privée. La Guinée-Ka, regardez les activistes, les blogueurs de la Guinée. Walimé, il faut mais rien à vie privée. Nudité. La Guinée-Ka, nanantoukolo. Nudité. Mais rien à nudité. Enfin, il y a Guy Fendema. Oh, il y a Guy, thème de. Vous n'avez même pas honte. Mais rien. Ça dit négativité. La Guinée Kafata n'a pas de promotion là-bas. À la fête, et mon promotion là-bas. Développement fête, et mon fête là-bas. N'a rien à boire, j'ai refait tout. Moura pression de ma pour que Walira la Guinée a développé, et mon Rabama. Futilité, nudité, des bêtises seulement. C'est ce que le Guinéen sait faire. Par à la Béomoutalou, tranquille. La futilité fête à ma. Voilà. Maintenant, nous, on va passer aux choses sérieuses. Comme les États-Unis, les Américains, nos compatriotes ici, ont demandé qu'il faut une marche le mardi, le 20. Le 20 à New York. Le 20 à New York. Tout le monde est demandé, le mardi à venir, devant l'ambassade de Guinée à New York, à Manhattan là-bas. De l'ambassade, on se dirige aux Nations Unies. De l'ambassade de Guinée, on se dirige aux Nations Unies. Le 20 à venir. Rendez-vous à partir de, si tu veux, tu peux être là-bas à 9 heures, mais à partir de 10 heures, nous allons, voilà, commencer à se rassembler. Heure de rendez-vous, 10 heures, voilà, devant l'ambassade de Guinée à Manhattan là-bas. Et nous allons marcher, vous savez, c'est même pas distant, de l'ambassade aux Nations Unies. Donc, tout le monde, ceux qui sont à New Jersey, ceux qui sont en Pennsylvanie ici, ceux qui sont à Washington DC, les gens de Connecticut, maintenant, les autres states là, ceux qui veulent venir, vous êtes tous invités, venez le mardi à partir de 10 heures, nous allons nous diriger vers Abaka Diallo, vous pouvez m'écrire sur mes pages. Ma Guinée d'abord, Ma Guinée 224. Je vais vous envoyer mon numéro. Donc, la mobilisation, New York, on n'a même pas besoin même de demander les autres. Il y a tellement de Guinéens aujourd'hui, à New York aujourd'hui. Hein? Donc, tout le monde doit se mobiliser le mardi à partir de 10 heures. Voilà. Attendez, il y a un bâtard ici. Je vous dis, c'est pas son nom. C'est
C'est un élément des forces spéciales, c'est pas son nom, ne le répondez pas. L'imbécile Kwabaka Diallo, c'est pas son nom. C'est un imbécile du CNRD qui a pris le nom là. J'ai déjà fouillé. Mais moi, je ne vais pas le bannir. Comme ceux qui ne veulent pas entendre là, je vais mettre dans ses oreilles. C'est un bâtard qui est là. Voilà, c'est un bâtard qui est là. Un enfant qui est fier de son père, de sa famille, doit porter le nom qu'on lui donne. Tu es Camara, il faut être fier. Tu es Bangoura, tu es Diallo, il faut être fier. Tu es Koivogi, il faut être fier. Mais un bâtard n'est pas fier de porter le nom de sa famille. Donc, ne le répondez pas, j'ai fini de le bloquer. Le mardi, je serai de la partie. D'ailleurs, le lundi, Inch'Allah, je vais passer la nuit à New York. Pour ne même pas conduire le matin pour être fatigué, pour ne pas faire 2h30 de conduite. Inch'Allah, le lundi soir, je vais prendre l'hôtel à New York et je vais dormir. Quand il s'agit de la Guinée, ça, je vais le faire. Voilà. Même si l'hôtel, ça doit être 500$ la nuit, je vais payer l'hôtel. Mais le mardi, à partir de 10h, devant l'ambassade de Guinée à Manhattan, nous allons marcher de l'ambassade aux Nations Unies. Nous avons le permis. Nous avons maintenant les maudits qui veulent venir. Kodamaro sera de la partie. Je vous dis, moi, je serai le lundi à New York et je ferai le live pour vous dire. Ici, c'est les États-Unis. Moi, je vous ai dit, hein, c'est un bâtard qui a peur de vous ici. C'est un maudit qui a peur de vous. Maintenant, celui qui est maudit, là, il peut me trouver là-bas ce jour-là. En tout cas, tous les Guinéens ici aux États-Unis, si tu veux, tu prends ton avion, demain tu viens, voilà, de Californie, partout, en tout cas, tous ceux qui ont soif de la démocratie chez nous, du changement, doivent venir. Il faut que nous mettons la pression, il faut que nous exposons ces bandits du CNRD à travers le monde, que ces gens-là, c'est des fainéants, c'est des vauriens, voilà. Donc, commencez à communiquer du côté de New York, tous les patriotes guinéens, le mardi, de se diriger à partir de 9h, 10h, devant l'ambassade de Guinée. C'est là-bas le lieu de rassemblement. Et nous allons marcher pour aller devant les Nations Unies. Vous avez demandé qu'on manifeste. Nous avons choisi une date. Voilà. Donc, tout le monde est convié. Tout le monde est demandé. Tous les bons Guinéens. Voilà. Ne nous suivez pas seulement ici. Hein. Vous êtes à New York. Vous êtes à Newark, dans le New Jersey. Vous êtes ici à Philadelphie. Prenez le train. Vous descendez à la 34e là-bas. De la 34e, c'est facile de prendre. Voilà, il y a des métros là-bas où il y a des bus qui vont passer devant les Nations Unies. Vous pouvez marcher là-bas pour aller. Donc, la Guinée-Cap Birin, Nere Birin à New York, Nere Naïre Birin. Mettez les cœurs, les maudits sont là. Parce que Mouama Mourasga Bandi est dénoncé. Na Bandi, Fongasga est dénoncé devant les Nations Unies. La Guinée-Cap est torore et Namre kidnappé fait. Voilà. Un amré kidnappé fait. Donc, mobilisation le 20. Je vais mettre le lieu. Voilà. Donc, que tout le monde sorte. Nous allons parler de la cherté de la vie. Pour ceux qui connaissent l'ambassade, c'est 140e. Voilà, IS 39e. Donc, pour ceux qui connaissent, je vais publier tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve l'ambassade de Guinée, voilà, vous pouvez même faire des captures et je vais publier ça tout de suite là. Parce que les bandits pensent que non, on va voir. Ils ont commencé à signaler, mettez le cœur, parce que ceux qui ne les intéressent pas là, ils ne veulent pas entendre. Donc, partagez l'adresse de l'ambassade de Guinée avec vos amis. Attendez, il y a un maudit là. Lui il n'est même pas. Nous, on parle des États-Unis, on ne parle pas de la Guinée. Toi, le maudit Koso quoi là. Attendez d'abord, je vais te bannir. Voilà. Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit sortir le 20 ici à New York.
Voilà. Donc, le général même, je serai de la partie. Moi, je ne vais même pas attendre jusqu'à 10 heures. Le lundi soir, Inch'Allah, je vais passer la nuit à New York et je serai matinal pour aller faire le live. Maintenant, le maudit qui est sûr de lui, qui pense qu'on est, on est au palais M5, le maudit là peut se rendre là-bas, le 20. Nous-mêmes, on a besoin même des brebis galeux ce jour-là, là-bas. Si vous voulez apporter du soutien à Mamadi, organisez votre manifestation. Vous partez, vous dites, ah, les Guinéens sont ici, ils soutiennent Mamadi. Mais nous, là, on dit, on ne veut pas du bandit. Et on a décidé de marcher le 20. L'ambassade, là, ça appartient à tous les Guinéens. Ça n'a pas... Mamadi a trouvé ça ici. Mamadi a trouvé. C'est des hommes, c'est des Guinéens qui ont acheté l'ambassade là. C'est pas pour son papa, c'est pas pour lui. Donc c'est pour vous dire, c'est là-bas nous allons commencer la marche du vin. La marche du vin. Hein, mardi. J'espère que vous venez de voir l'affiche, l'adresse qu'on a mis. Famille, mettez-le que les bandits ne font que signaler le live. Ils vont se fatiguer, ils ne pourront pas. Donc, j'ai déjà partagé l'adresse où nous devons nous regrouper ce lundi à venir. Non, mon frère Soumaïla Nambassa, ici, c'est les États-Unis. Ici, c'est un pays de droit. Nous, on ne manifeste pas sans prendre nos permis. Maintenant, toute personne qui va venir, qu'ils vont venir insulter, ou provoquer quelqu'un, on le tabasse là-bas, rien ne va sortir. Voilà. Rien ne va sortir dedans. Rien. Donc, la Guinée-Canne a d'aide, B, Amérique. Biringamini le 20, mardi le 20, Borga Fenara, pour que on a dit bandier, m'aurait dénoncé, et n'a pas fait kidnapping, tore n'a pas fait, et n'a pas fait la birafé, Biringamma Aramini, Biring, la participation de tout un chacun. Voilà, est nécessaire. Biri nanga mini. Tout le monde, belle et kaka bo, façon kolete. Ah, kafo, non, hé, fanye boli, kayila dunia la, kol la Guinée kwa bente. Communauté internationale, et c'est ce qui met la pression sur la communauté internationale. C'est ce qui prouve que ça ne va pas. Nous, nous représentons la Guinée ici. Nous représentons nos frères du côté de la Guinée. Le droit que nous avons ici, ceux-là ne l'ont pas là-bas. Ça, c'est une manière de sortir aussi en grand nombre, communauté Biring, Biringamini, de la forêt jusqu'en Basse-Côte. Tout le monde doit sortir. Voilà. Tout le monde doit sortir le mardi à New York devant l'ambassade de Guinée. Devant l'ambassade de Guinée. Maintenant, là, ça, ils sont paniqués comme ça, là. Ils sont paniqués comme ça. Les manifestations dont on parle. On a appris du côté de Paris que le bandit aussi, Mamadi Doumbouya, le bandit veut se rendre du côté de la France. Vous savez pourquoi? Vous avez suivi ma vidéo quelques jours avec Fatou Nyoli, où j'ai montré les photos du président Alpha Condé, avec tous ces trois présidents français qui se sont succédés, le président Alpha Condé, avec tous ces gens-là. Une fois encore pour dire que Mamadi est un bambin. Un bambin. Il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. On a montré la photo du président Alpha Condé avec le président chinois, indien, avec les présidents américains Barack Obama et Donald Trump quand ils étaient au pouvoir. Et tout ça, il est allergique, le bandit. Il ne peut pas venir aux États-Unis. Maintenant, quand il veut aller en Chine, aller se promener, l'argent du contribuable guinéen, tu loues l'avion de Kagame, tu achètes kérosène, tu vas payer les pays où tu descends. Il faut payer un quota à ces pays-là. Donc, toi, tu vas te promener. Le président Alpha Condé, lui, ses voyages, ce n'était pas juste se promener. Lui, il a cherché, il a signé des contrats, des grands projets. Si on a la route nationale aujourd'hui, signé avec les Chinois. Si on a l'électricité, les barrages, signé avec les Chinois. Donc, le président Alpha Condé, Mamadi, lui, n'allait pas se promener. Toi, tu vas à Kigali, tu apportes quoi à la Guinée? À part te promener. Toi qui as insulté, toi qui as humilié ton bienfaiteur au troisième mandat. Maman dit, tu n'es qu'un simple bandit, un simple gangster. Tu n'es pas véridique, tu es un menteur, Mamadi Doumbouya.
un grand menteur, Wule Fale Baba, nanana Mamadi Doumbouya, a Wule Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya n'a fallu pas d'orobe, Kira Souribedi, n'a fallu pas d'oro, ou Kira Souroube, ou Siga, parce que Wule Fale Baba Nara, Mamadi Doumbouya. Anna, ah, Président Alpha Condé, Anna trahi. Opposition guinéenne, c'est l'oudale, Anna Mouda, n'a trahison, Madé, Anna Rabangi Birina Gila, Wule Fale Force Spéciale. Premier groupement, Anne Brin trahi. Namori, Anna trahi. Saliba, Anna Faka. Dime Faka Faka Fene. Mamadi, Madara Obeka, ou Wule Fale Fema, ou Mamadi Doumbouya Fé. Wule Fale Baba. Mais le mardi là, en tout cas, Inch'Allah, tous ceux qui veulent voir le général 5 étoiles, voilà, ceux qui viennent d'arriver là, Nicaragua et autres là, vous voulez voir le général 5 étoiles à New York, Inch'Allah, le mardi à partir de 10h, devant l'ambassade, nous allons marcher ensemble jusqu'aux Nations Unies pour dénoncer tout ce qui se passe chez nous. Les Funiké Mangé, portés disparus, kidnappés par les bandits du CNRD, la vie chère des Guinéens, tous nos anciens dignitaires détenus illégalement par ces bandits, nous allons tout dénoncer. La Guinée qui est birin la maramini, parce que dunia na moutou mana lore, fomoura ma sene dunia be, bandi nere na la Guinée, kambrin bana nera, mounietina nera, drogmatina nera, et moufar démocratie rapidement, bandina nera, c'est des vrais bandits, et fare netoun et bor kuna kana. Donc, mardi, à partir de 10h devant l'ambassade, donc je vais vous laisser, c'était pour faire l'annonce de la manifestation. Et ce soir, Inch'Allah, nous allons continuer le combat. Voilà, merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Et ça va se savoir ce mardi du côté de New York. Tous les New Yorkais, vous êtes demandés à vous mobiliser. Tout ce que vous aviez à faire, vous devez prendre congé ou vous devez travailler le soir, le matin. Vous pouvez venir si vous voulez, vous pouvez. C'est de 10h jusqu'à 15h. Mais ceux qui veulent venir très tôt, vous pouvez venir. S'il est temps pour vous de partir, vous allez partir. Mais mobilisez-vous tous. Voilà, devant l'ambassade ce mardi à venir là. Donc les gens de New Jersey, prenez le train, vous allez descendre à New York. Prenez le train, vous allez descendre. Les gens de Washington, prenez le bus où vous allez venir dormir à New York. Chez vos frères ici à New Jersey, à partir du lundi, mardi matin, la mobilisation. C'est pourquoi on a donné le temps. On pouvait dire 8h, mais vous savez, les Sinani là, les Diallo là, les Sangaré Sidibé là, eux ils dorment trop. Mais on vous a dit à partir de 10h. Voilà, vous êtes à New York là-bas, même 30 minutes, 1 heure du temps c'est trop. De Bronx, vous allez prendre votre train, vous allez arriver très tôt. Donc à partir de 10h, c'est pourquoi... Ça, c'est convenant pour tout le monde. On n'a pas dit 8h, on n'a pas dit 9h. 10h, tout le monde doit être là-bas. Les retardateurs, là, pardonnez, venez très tôt. Tout ce que vous avez à faire, à partir de 7h, commencez à vous préparer, vous allez venir. Voilà. C'est pourquoi moi, je pouvais quitter ici. Hein. Après Fadiri, je pouvais prendre ma voiture, arriver à New York. Attends, vous avez vu l'année passée. Mais je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas me fatiguer parce que je dois parler ce jour. Je dois parler. C'est pourquoi je vais passer la nuit à New York pour avoir plus d'énergie, pour être fort. Voilà. Maintenant, les Sinani, vous êtes tous demandés. Parce que les Sinani, là, ils ne respectent pas le rendez-vous. Voilà. Mata Senkou, merci à vous. Alpha Saïbou Diallo, merci à vous. Merci à Sidiki. Kamara Ali Badra Bangoura, merci à vous. Diaré Lamine, merci. Donc, à ce soir encore pour d'autres lives. Bonne soirée à tout le monde.